Évaluation numéro 1, niveau 6e année primaire. Nous allons d'abord faire un test dans la langue française, le niveau de la 6e et Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. La Tour Eiffel, la Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'Exposition universelle de Paris, 1889. 89. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est situé sur le champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Partie numéro 1 Compréhension de l'écrit. Al-Qism al-Awal Fahmo al kitaba Question A. Qui a construit la tour Eiffel et quand? Souhaal Alef Manbana Borja Eiffel Wamata Réponse Gustave Eiffel, année 1889. Al-Jawab Gustave Eiffel. 800, 800, 800. Question B Combien de mètres mesure la tour Eiffel La question est Combien de mètres mesure la tour Eiffel Réponse Mesure exactement 312 mètres de hauteur. Al Jawab Yuqasu bi wa Question C. Combien de personnes visitent la tour Eiffel chaque année?

Que peut-on voir du haut de la tour Eiffel? La question est... Qu'est-ce que l'on peut voir du haut de la tour Eiffel? Réponse. La cathédrale Notre-Dame. La tour Montrepanasse. Et l'Arc de Triomphe. Al-Jawab. Al-Kanisah, Sayyidatuna. Bourjou Montrapanas. Ou, Aïdan, Kousou Al-Nasr. Question E. Que trouve-t-on sur la tour Eiffel?

Téléfusionnia. Partie numéro 2. Grammaire. al al-tani Mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. al ah. Attention descente dangereuse. On fait une croix. C'est une phrase nominale. Le concert. Aura finalement lieu vendredi. Non, ce n'est pas une phrase nominale. On ne fait pas une croix. C'est Jordan versa le café dans la tasse. Non, on ne fait pas une croix. D. Comment résoudre ce problème On fait une croix, c'est une phrase nominale. Quelle joie de vous revoir On fait une croix, c'est une phrase nominale. J'accorde l'adjectif. Qualificatif entre parenthèses. Un cette année, les pluies ont été abondantes. Deux. Que cette femme est nerveuse. Regarde la il ne tient pas en place. 3. Ces fleurs blanches seront à livrer demain à Madame Martin. 4. J'aimerais bien acheter ces pantalons. Mais... Ils sont trop grands pour moi. 5. Ces filles sont vraiment intelligentes. Leur professeur leur prédit un grand avenir. Je transforme ces phrases en phrase nominale. Au al-Jumal, ila Jumala Ismiya. 1. Cette mosquée est grande. Réponse. Quelle grande mosquée. 2. Ce musée et fantastique réponse quel fantastique musée partie numéro 3 conjugaison alchemist et à surf. je conjugue les verbes Mise entre parenthèses au temps indiqué. Nous sommes Les gagnant de le de la course présent de l'indicatif de de donc, la réponse, nous félicitons le gagnant de la course. Deux, j'adorais les dauphins et Harry Potter présents de l'indicatif. Donc, la réponse, j'adore des dauphins et Harry Potter. 3. Ils prendre place sur la ligne de départ. Présent de l'indicatif. Réponse. Ils prennent place sur la ligne de départ. 4. J'applaudir tous les participants. Présent de l'indicatif. Réponse. J'applaudis tous les participants. 5. Le lilas fleurir au printemps. Présent de l'indicatif. Le lilas fleurit au printemps. 6. J'allais à Paris, mais à contrecoeur. L'imparfait de l'indicatif. Réponse. J'allais à Paris mais à contre-coeur. Numéro 7. J'aimais le rencontrer après les cours l'imparfait de l'indicatif. Réponse. J'aimais le rencontrer après les cours. Numéro 8. Elle chantait sous la douche tous les matins. L'imparfait de l'indicatif. Réponse. Elle chantait sous la douche tous les matins. 9. Je ne me sentais pas bien. J'étais fiévreuse. L'imparfait de l'indicatif. Réponse. Je ne me sentais pas bien. J'étais fiévreuse. Numéro 10. Il. Être sympathique avec nous, mais je m'en méfie. L'imparfait de l'indicatif. Réponse. Il était sympathique avec nous, mais je m'en méfiais.

il faut Adaou Alama Achenwin Filmaoka alady Yahak. Mon père est parti en voyage. L'éléphant d'Afrique doit être protégé. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai assisté à la répétition générale du gala de danse dictée à l'imla. Rome a marqué l'antiquité de son empreinte comment la ville est elle devenue en un empire puissante avant de sombrer et de disparaître partie numéro 5 lexique 1. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Ou ratib al-kalimat al-taliya bittartib al-abajadiya. Adroit, annuaire, aliment, anxieux, année, ami. Armoire Avion Automobile Aviation Réponse Adroit Aliment ami, Année Annueur Anxieux Armoire Automobile Aviation avion Question numéro 2 Je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique Le deuxième Ordonnez les lettres suivantes en al alphabétique L. M. Que l'on. N. P. T. R. A. V. I. U. O. X. K. Z. D. Réponse. A, D, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, Y, X, et Z. Question numéro 3. J'écris la signification de chaque abréviation. -so -ta. A soual, la kamtalat. Actub mana kula. irtissar. V égale verbe. A, D j égal adjectif N m ça signifie non masculin n f signifie non féminin question numéro 4 J'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. NM, NF, V, AG, ADV. Aktub, amama, كل kalima, al المناسب. al -munasib. Hôtel N M non masculin derrière A Dev adverbe beau A dg adjectif danser V verbe Classe, NF. non féminin. Partie numéro 6. Production de l'écrit. Le quesme 16, le mot je mets en ordre le texte suivant. Arpomo annos atelier. Qu'est-ce que la Rome antique La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome située au centre de la Péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité dans l'Antiquité. La Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire. Elle démarre en effet en moins de 753 avec la fondation de Rome par Romulus et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. Réponse. La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité en l'Antiquité. La Rome antique compte plus de mille ans d'histoire. Elle démarre en effet en moins 753 fondation de Rome par Romulus et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله